na fui na irina ronga misai tute tuma tangi sai tina na na niza irisana na izara na vali na akuriabe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, ce sera une émission si spéciale puisque on va vous faire découvrir et vous faire apprendre tout ce qu'on a à faire à Madagascar, les besoins de jeunes filles. Depuis le matin, on se réveille, on prépare à manger pour tout le monde et du coup, on s'active pour les travaux. Donc notre quotidien, ça va être présenté tout au long de cette émission Canal Austral sans vous faire attendre. Let's go! Tazenda, ireo pandalo, nakuni jalo kalo fizani mo, fiala buri. Dès le coq chante, les mazouts se réveillent déjà. Les femmes ne retardent pas à se mettre déjà au travail. Les mamans ou les futures mamans s'occupent de la préparation de petits déjeuners pour toute la famille. Les pères sont souvent déjà partis très tôt au champ. Déjà en préparation de leur vie future, la vie d'épouse, les jeunes filles font aussi les besognes. On va vous présenter en sa généralité ce que nous faisons journalièrement. À part les tâches ménagères, les filles font aussi beaucoup de travail à l'extérieur de leur maison. Une bonne organisation dans la répartition de tâches se fonde dans la société. Elle assure aussi la lessive qu'on fait généralement dans les rivières ou dans les étangs. En attendant le temps de séchage des linges, elles arrosent la culture. Les travaux moins pénibles sont généralement faits par les femmes. Du coup, donc, c'est une affaire féminine. Un beau partage avec des amis, des compagnes. À Madagascar, on n'a pas encore l'addiction à l'eau potable du coup, donc il faut aller dans un point d'eau qui se trouve à 700 mètres d'ici. Donc moi, j'attends ma copine, j'attends juste ça, lui. Allez, rejoignez-nous. Donc là, on a fini notre 700 mètres. On arrive dans le Fatsakan ou bien encore la fontaine d'eau. On va prendre. Généralement, ça, c'est un travail que fait généralement toutes les filles. Voilà. Ça monte, hein, ça grimpe. Ici, on est au mi-chemin, du coup, donc on se repose un peu. Et vous savez, à Madagascar, on a une conception qui dit que c'est généralement les filles, les femmes qui cherchent de l'eau. Ça s'explique vraiment par le fait que pour la vie future, qu'on emportera du bébé dans notre ventre, on fera ce qu'on appelle tunjaran, tunjaen. L'eau, c'est la vie. Donc, une fois on a de l'eau, on a de la vie. Allez, on continue. Salasala, nanadi kadi na izarin.
paling baik semu Tuhan karena balasan karena hukumu senyawa mati ini ini sudah berarti. Il est à noter qu'on n'a pas inséré dans notre explication les petits métiers que font généralement les jeunes filles pour avoir de l'argent. Mais il y en a et beaucoup font des extra-activités rémunérantes comme la broderie ou encore de l'artisanat. Et voilà, je pense que vous avez admiré, vous avez appris quelque chose sur la vie des jeunes filles à Madagascar. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la même chaîne. Bonne continuation sur Canal Austral TV. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Veloum! Tani ai de José Haribayi.